faudrait pas oublier que tout le monde, tous les musiciens ont commencé à zéro. Salut, c'est Yannick et j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te montre un exercice de dextérité pour débutants. Bien qu'on joue du saxophone ici, cet exercice va pouvoir aider tous les instrumentistes. Et je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que ces temps-ci sur ma chaîne, je faisais des trucs un peu plus avancés et je ne voulais pas que toi, saxophoniste débutant, tu penses que je t'ai oublié. Je ne t'ai pas oublié et je vais t'aider aujourd'hui. Et je vais faire une parenthèse ici et parler aux gens qui commencent vraiment le saxophone ou un autre instrument de ne pas se sentir mal parce qu'on comprend pas quelque chose, on n'est pas capable d'exécuter quelque chose. Faudrait pas oublier que tout le monde, tous les musiciens ont commencé à zéro. Ok, moi inclus, tous les saxophonistes du monde entier, tous les instrumentistes du monde entier, on commence tous en ne sachant rien de la musique. Alors, il faut commencer en quelque part. C'est normal au début de galérer, de ne pas être capable d'exécuter, de faire des choses et d'être frustré aussi. L'important, c'est d'avoir du fun et de se dire, OK, moi, dans un an, dans deux ans, je vais être capable de faire ça et de se fixer des objectifs finalement réalistes et des fois des objectifs qui sont moins réalistes, qui vont t'amener à te dépasser et à atteindre des buts que jamais tu aurais pensé atteindre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose qui pourrait fort probablement t'intéresser. Alors, quel est-il cet exercice? C'est très simple et la merveilleuse chose là-dedans, c'est qu'on va venir travailler les gammes en même temps, mais pas de la façon que tu connais. Ok, je vais te faire travailler une gamme, mais en travaillant principalement ta dextérité. Donc, on pourrait dire qu'on travaille deux trucs en même temps, la dextérité et les gammes. Tu peux apprendre une gamme avec cet exercice-là sans problème. Ok, la façon qu'on fait les gammes d'habitude, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et là je parle des degrés, et on redescend. Ok, comme ça, admettons je fais Do. Alors là, j'ai joué tous les degrés de la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Je suis redescendu après. Maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu vas jouer la gamme en tierce. Pourquoi on appelle ça en tierce? Bien, c'est très logique puisqu'on va jouer une tierce vers le haut et on va redescendre d'une note vers le bas pour remonter ensuite vers une tierce ascendante. Dans les faits, si on est en Do majeur, ça donne Do, Mi, première tierce. On descend d'une note, on revient d'une note, Ré. Et maintenant, on refait une tierce. Donc, Ré, Fa. On revient d'une note, Mi. On remonte d'une tierce, Sol. Donc, Do, Mi, Ré, Fa, Mi, Sol, Fa, La, ainsi de suite, jusqu'à la tonique suivante. Ça donne ça. Là, ici, tu vois, je l'ai fait sur un octave, OK? Ce que je veux que tu fasses, c'est de jouer sur tout le registre de ton instrument. Je suis certain, si tu me connais, que tu savais que je dirais ça. Pourquoi? Trois raisons principales. Premièrement, il faut que tu connaisses toutes les notes de ton instrument si tu veux bien en profiter et être capable de jouer les morceaux que tu veux. Deuxièmement, si tu veux faire de l'impro à un moment donné dans ton cheminement, il va falloir que tu utilises tout le registre de ton instrument. Tu pourrais juste jouer de l'impro, oui, sur une gamme, mais tu vas te priver de faire des solos qui sont plus cool à entendre que si tu te limites à un octave. Je sais que je parle souvent dans mes cours d'impro d'improviser avec une, deux, trois ou quatre notes. Ça, c'est vrai, ça, c'est toujours vrai, sauf que quand on commence à être un peu plus avancé, on veut aller plus loin et utiliser le plus de notes possible pour s'exprimer de la meilleure façon possible. La troisième raison, ça va s'appliquer plus à l'exercice d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait cet exercice-là? Il va délier tes doigts, mais le fait de le faire sur tout le registre, ça va venir travailler ta dextérité sur tout ton instrument. C'est-à-dire que comme saxophoniste, ce qui se produit souvent, c'est qu'on est plus à l'aise avec les doigtés du milieu. Les clés qu'on a ici, de Ré à Do, je dirais. Quand on va dans les notes graves et les notes aiguës ici, ok, étant donné qu'on en joue un peu moins souvent de ces notes-là, on se dira, la plupart des pièces, je dirais peut-être un 60% vont se situer ici. Et là, des fois, on va aller jouer dans les notes aiguës, des fois dans les notes graves. T'es d'accord avec ça, je présume? Alors, des fois, on va développer des lacunes où on va être un peu moins bon, en guillemets,
dans les aigus et dans les graves pour la seule et bonne raison qu'on les joue moins souvent. C'est pas parce que c'est plus difficile, c'est parce qu'on les joue moins souvent. Alors cet exercice-là, comme tous les exercices techniques d'ailleurs, vont aller travailler l'instrument sur tout le registre. Alors c'est vraiment important que tu le fasses sur tout ton instrument, avec un métronome s'il vous plaît, et pas trop vite. Je veux pas que tu le fasses super rapidement au milieu de l'instrument parce que tu te sens à l'aise et tu arrives dans l'aigu et là c'est pas très 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 bon ou il y a des notes qui sont escamotées ou tu vas pas à la même vitesse. Tu vas prendre un métronome et tu vas le mettre à un registre que tu es à l'aise et là tu vas le faire sur tout le registre de ton instrument. Probablement ce qui va arriver c'est que tu vas te sentir plus à l'aise dans cette région-ci et tu vas arriver dans les clés aiguës ici et là ça va être plus difficile. Alors il faut que tu sois à l'aise dans les palm keys ici et ici ça va être plus facile, c'est pas grave. Dans le grave, tu vas peut-être être un peu moins à l'aise aussi. Ce qu'on veut, c'est d'aller chercher une espèce d'égalité dans ta dextérité sur tout ton instrument, d'accord? Pour redescendre, c'est exactement le même principe, mais à l'inverse, c'est-à-dire que tu vas descendre d'une tierce et tu vas remonter d'une note. Descendre d'une tierce, remonter d'une note, comme ça. Ainsi de suite. Là, je suis parti de la note la plus aiguë du saxophone dans la gamme de Do, c'est-à-dire Fa, pour te montrer comment ça pourrait sonner. Mais je vais te faire un exemple maintenant sur tout le registre de l'instrument si tu utilisais la gamme de Do. Alors, ce que je fais, c'est que je commence sur la note Do, grave, la plus grave. Je vais à la note la plus aiguë disponible de cette gamme qui est Fa. Je vais aller à la note la plus grave de cette gamme disponible sur mon saxophone qui est Si. Et je reviens au point de départ, Do. OK? Ça sonne comme ça. Revenu à mon point de départ. Et tu remarques aussi que je l'ai fait le plus égal possible. Je ne suis pas allé plus vite dans le registre du milieu pour ralentir en haut comme ça, là. Là, j'exagère évidemment, là, tu comprends le principe. Il faut que ça soit vraiment égal pour bien travailler ta dextérité sur tout ton saxophone. Maintenant, je vais te montrer certaines variantes que tu peux faire si tu veux faire changement et que tu maîtrises bien ce concept-là. La première variante que tu pourrais faire, c'est d'utiliser des articulations différentes. Par exemple, tu pourrais faire des piquets sur toutes tes notes. Comme ça, tu pourrais faire un lié. Tu pourrais changer le rythme même et swinguer tes croches et ça ferait une toute autre dynamique, comme ça. Là, tu vois même ici, j'ai rajouté quelques petites articulations de jazz, mais je t'invite à t'amuser et à le mettre vraiment à ton goût, cet exercice-là. Toi, débutant, que j'ai un peu négligé, mais je te promets que je vais te faire quelques vidéos qui sont destinées plus à ce niveau-là dans les prochaines semaines. De plus, cet exercice-là, je t'invite à l'essayer sur plein d'autres gammes que tu connais. Si tu es en train de travailler la gamme de Fa, par exemple, fais-le avec la gamme de Fa. N'importe quelle autre gamme, n'importe quel mode, même les gammes blues, les gammes altérées, les gammes pentatoniques, tu pourrais utiliser ça aussi. Il n'y a pas vraiment de limite. En fait, ça dépend de toi où tu es rendu dans ton cheminement en musique. Tu peux prendre n'importe quelle gamme ou mode que tu travailles et tu appliques cet exercice sur ça. C'est ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et surtout que ça va t'aider dans ta dextérité sur le saxophone ou n'importe quel instrument. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche qui t'avisera lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt. Salut!